Salut tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue parce qu'en fait, ça y est, on a la liste des 25 sélectionnés pour le clip 2022. On a su samedi en fait, samedi soir euh, en live sur Instagram l'annonce des 25 sélectionnés du PIB 2022. Donc pour rappel, hein, on en avait euh, 234, je crois quelque chose comme ça, qui étaient euh, sélectionnables. <laughs> Ensuite, il fallait en sélectionner présélectionner 80. Puis en sélectionner 4, euh, 25, pardon, je dis des bêtises, en sélectionner 25. Là, on a su les 25 euh, restants, enfin les 25 euh, les plus plébiscités. Et ensuite, on a jusqu'au mois de février-mars, je crois, on n'a pas encore la date exacte, pour euh, bah, en lire euh, un maximum et en sélectionner 5, qui seront les 5 finalistes. Et ensuite, il y aura l'annonce du gagnant en octobre prochain, je crois. Je ne sais plus. Enfin, cette année, c'était en octobre. Donc, euh, mais ça me paraît bizarre. Je crois que ce sera mai, en fait, non mmh, Attendez, je regarde la date. Ouais, en fait, je suis en train de chercher en même temps. Il me semble qu'en fait, cette année-là, c'était au mois d'octobre. Enfin, c'est sûr, c'était au mois, mois d'octobre, c'était aux imaginales. Mais euh, est-ce qu'en fait, les imaginales, peut-être n'avaient pas été euh, décalées à cause du Covid Parce que là, j'ai vu que les prochaines imaginales, c'était au mois de mai. C'est compliqué, mais c'est compliqué Non, non, c'est bien ça. Annonce des 5 finalistes en mars 2022. Ensuite, ben, on lit les 5 finalistes si on les a pas lus, évidemment. Euh, et euh, vote de, pour le grand gagnant du Pli 2022. Euh, on peut voter jusqu'à fin mi-septembre 2022 et euh, annonce du grand gagnant septembre-octobre 2022. C'est ça. Alors si ça se trouve en fait il y a deux éditions des Imaginales peut-être dans l'année, je ne je sais pas. Euh, je, je ne sais pas et puis de toute façon on va pas faire ça maintenant, c'est pas le but. On en reparlera plus tard. J'ai trouvé concernant les imaginales. En fait, au mois de mai, c'est les 20 ans des imaginales. Donc, c'est bien le festival. Le festival a bien lieu au mois d'octobre. Mais, au mois de mai, ce sera les 20 ans. Voilà. Euh, donc, je vais vous donner les 25 euh, sélectionnés. Et puis, à chaque fois, je vais vous dire aussi euh, si moi, je les avais euh, choisis ou pas, etc. etc. Alors. En premier, donc par ordre alphabétique, on a euh, « Biotaniste » de Anne-Sophie Devries. Alors, si je me trompe dans la prononciation des noms, euh, je suis désolée. Je m'excuse d'avance. Donc, Anne-Sophie Devries ou Devries, je ne sais pas. Je l'avais sélectionné. Ensuite, on a « Capitale du Nord » de Claire Duvivier et « Capitale du Sud » de Guillaume Chamanadjan. Voilà, pas sélectionné ni l'un ni l'autre chez moi. Ensuite, « Célestopole 1922 » d'Emmanuel Chastelière j'avais choisi. Doré d'oreiller de Flor Vesco, je l'avais choisi aussi. Diamant de Vincent Assis, pas choisi chez moi. Euh, Dragon et mécanisme d'Adrien Thomas, je l'avais pris. Euh, du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. Euh, Eden Island de Anna Clestel. Ensemble de Johanna Marines ou Marine, je ne sais pas. Pas sélectionné ces trois-là. Euh, ensuite, on en a trois que moi j'avais sélectionné Felicracie de Hélène Lenoir. Euh, Fleur doco de Laetitia Danae. L'Arpenteuse de rêve de Estelle Fay. Donc, ces trois-là, je les avais pris. Ensuite, euh, L'Enragé de Jennifer Tellier. Et La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter. Pas sélectionné pour moi. Euh, ensuite, euh, La passeuse de mots. Attendez, hop. D'Estelle Fay. Non, attendez. La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Je m'excuse. Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. J'avais sélectionné ces deux-là. Les âmes inconscientes de Rod Marty, pas sélectionné. Les dossiers du voile, Adrien Thomas, je l'avais pris. Euh, les oubliés de l'AMA de Florian Soulas. Sula, Nos jours brûlés de Laurent Safou. Haute sphère de Guy Roger Duver. Ces trois-là, je ne les avais pas mis dans les 25. Ensuite, Prosperine point de Lord Argelos, je l'avais sélectionné. Ainsi qu'une couronne d'os et d'épines d'Emilie Norsken. Et le dernier, Ouijigo d'Estelle Faille, je ne l'avais pas sélectionné. Voilà. Donc on est en tout à combien que j'avais sélectionné, moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 25. Mais écoutez, on est euh, à peu près à la moitié. Hein, donc euh, c'est bien. Il y en a déjà un que j'ai déjà lu euh, Le désert des couleurs. En fait, il y en a 4 pour l'instant qui étaient dans les 80. Ah oui, j'ai encore un truc, mais c'est normal. Il y en avait 4 dans les 80 que j'avais déjà lus, c'est-à-dire euh, « À la croisée des rêves »,« Les aventures inattendues d'Ona Valoès, 200 décumés de glace » et « Le désert des couleurs ». Et parmi ces quatre-là, il y a uniquement le désert des couleurs qui est passé. Alors, évidemment, il y en a, en fait, que euh, j'avais sélectionné, qui sont pas passés, et je suis vraiment, enfin, je suis déçue. Euh, 200 décumés de glace, parce que moi j'ai adoré, mais bon, c'est vrai que c'est jeunesse, quoi, mais euh, moi j'ai vraiment aimé. Euh, la carte des confins, j'aurais bien aimé le voir. Ça va, ça va pas m'empêcher de le lire, hein, de lire ces romans-là, ça va pas m'empêcher de les lire. Euh, le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, les héritiers, et sous le seau de l'hiver. Ceux-là, c'est vraiment ceux pour lesquels je suis déçue, entre guillemets, qui passent pas. Euh, ceux que j'ai lus, donc, à la croisée des rêves et, euh, les aventures inattendues d'Olympe Valois. Pareil, euh, je suis, je suis pas vraiment déçue, en fait. Je m'attendais à ce que les aventures inattendues d'Olympe Valois passent, mais, euh, finalement, finalement, le lisant, en l'ayant lu, je comprends pourquoi il n'est pas passé. Voilà. J'ai bien aimé, mais euh, voilà, c'est pas grave s'il n'est pas passé. Voilà, et eh bien euh, ça m'annonce euh, de bonne lecture là qui s'annonce. J'allais encore dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Non, je ne sais plus. Bon, si ça me revient, je vous ferai un petit encart, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Euh... Non, bah c'est tout. Ouais, 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 c'est tout. Bon, eh bien, écoutez, messieurs, dames. Sur ces bonnes paroles, cette petite vidéo euh, impromptue, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi, du coup, lundi pour une prochaine vidéo. On fera le bilan de Pumpkin Autumn Challenge, d'accord Allez, bisous